capital management options in this case study, in the mirror recognition, that the stakeholders have put on the table to tackle the challenges related to climate change in this river basin in Tunisia. This is part of the World Water Project, which is an FP7 science and society project that tries to tackle climate change, water management issues related to climate change in four Mediterranean basins. One of them is the Lel here in Tunisia, but we have three other case studies, one in Slovenia, one in Cyprus, and one in Spain. So in this project, we try to find solutions and water management options to tackle climate change in these river basins, which are threatened by climate change impacts. We try to do that with all stakeholders involved in water management. So it's a co-creation of knowledge between the scientists that are part of the project and all the stakeholders that are relevant in relation to water management in the basin. The idea is to create together a river basin adaptation plan to tackle water management in climate change perspective in these river basins. Avant tout, je vous souhaite à vous la bienvenue. Aussi, je souhaite la bienvenue ainsi Najib Chanouf, le commissaire régional de développement agricole de Savoie, Madame Annabelle Sanchez, coordinatrice du projet, et aussi Steven Librecht, qui est un partenaire du projet du Havre. Donc, comme vous le savez très bien, que les ressources en eau en Tunisie sont rares et inégalement réparties dans l'espace et dans le temps. En plus, vous savez que les consommations sont convoitées. Donc, en Tunisie, nous avons à peu près 4,7 milliards de mètres cubes, c'est-à-dire on a à peu près 450 mètres cubes par an par habitant en 2014. Alphonse Abbé, ingénieur principal à l'Agence nationale de protection de l'environnement, direction de suivi des milieux environnementaux. Je travaille sur le SINO, système d'information nationale sur l'eau. Bonjour, Youssef Akhmira, ingénieur principal, direction générale des ressources en eau. Mohamed Ali Ben Abdallah, professeur, chef laboratoire de génie rural à l'INM. Enseignant chercheur à l'UGR, je participe donc à cette étude. Je trouve c'est intéressant ce proche dynamique et autre pays de l'ensemble de pays en marche, par l'Espagne. Je pense qu'il faut qu'on peut bénéficier beaucoup de cette approche. C'est bien dans le sens de gestion donc des ressources en eau principalement. Donc penser à l'adaptation aux pénuries et au changement climatique. Donc je trouve que c'est très intéressant et je vous remercie. Je crois que le projet il est très important pour toute la Tunisie et principalement pour les agriculteurs parce que ils croisent à la fois les approches hydrologiques et les approches sociologiques, et bien sûr, il fait intervenir plusieurs spécialités, l'hydrologie, l'hydrogéologie, l'anthropologie, l'économie, et aussi les sciences de l'environnement. Et le fait de faire travailler tout le monde en même temps, je crois que ce sera quelque chose qui est très utile pour les agriculteurs. Bon, bien sûr, nous, on a l'habitude, en tant qu'hydrologue, de travailler simplement sur les aspects quantitatifs et les aspects qualitatifs, mais maintenant, il faut qu'on s'oriente vers d'autres spécialités, en faisant
عديد الجمعيات في العمل هذا، لذلك على مستوى التربية عديد المدارس وعديد المؤسسات وحتى المربين شاركوا فيه، كذلك على مستوى المستعملين بجميع أصنافهم كانوا يستعملوا في المال، وكذلك على مستوى البر. وإحنا نأمل ما يكون هالعمل هذا مصدر إلهام للإسلام على مستوى التخطيط التشاركي في مستوى المصبات المالية. المشاركة دي فعلا يعني في مشاركة الأولياء، في مشاركة التلاميذ، في مشاركة المجتمع المدني، هنالك ضمان لحسن توظيف الطاقات نتاعنا. والحاجة الأخرى اللي ربما إن شاء الله معناها يكون المشروع توفق لها ويكون هو النتائج اللي اليوم نحضروا لها، والنتائج اللي فيها عديدة أيضا ورش عمل اللي باقي تخدم حاليا على مستوى اليوم هذا، إن شاء الله معناها الورش هذه تهتدي إلى نتائج تكون هي تطبيقية وتكون هي دافع للمشروع هذا، وخاصة ربما إن شاء الله يكون تعميمها على كافة المناطق.